Bien, chers étudiants, chers collègues, chers amis, nous avons aujourd'hui le plaisir d'entendre une conférence de théorie plus que d'histoire du droit sur, je cite, « Le droit en interaction, illustration à partir des mécanismes du régime des obligations ». Je l'ai bien dit cette fois-ci ? Tout à fait. Donc, elle nous est présentée par Clotilde Aubry de Marbeaumont, maître de conférence en droit privé dans cette université. Et Clotilde était la personne idéale puisqu'elle connaît bien la question pour avoir soutenu une thèse sur, je cite toujours, « Essais critiques sur la théorie des obligations en droit privé ». Thèse qui sera bientôt publiée, si je ne m'abuse. Donc les conclusions de Clotilde seront discutées par Pascal Puig, professeur de droit privé, également dans cette université, et par pur souci de parallélisme des formes et surtout parce qu'on n'a pas la soirée, je me contenterai de citer sa thèse qui portait sur la qualification du contrat d'entreprise et qui est publiée aux éditions Panthéon Assas. C'est bien ça ? Oui. Donc deux privatistes nous font aujourd'hui l'amitié d'intervenir et je les en remercie très très vivement. Je les en remercie d'autant plus que je suis pour le coup assez convaincue que quelle que soit notre spécialité, donc privatiste, publiciste, historien du droit, politiste, et même plus généralement en sciences humaines et sociales, je suis assez convaincue qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur les rapports que nous, la doctrine, entretenons avec notre objet d'étude. Et chez nous, et cette fois-ci je parle des administrativistes, cette réflexion existe, mais elle est, je crois, assez galvaudée, puisque, selon l'expression consacrée, il faut se réjouir du cœur à deux voix. Donc, c'est l'expression consacrée que chanterait doctrine et jurisprudence dans l'élaboration du droit administratif. Donc, réjouissons-nous. Mais, à titre scientifique, je me réjouis plus encore de découvrir une vision neuve sur une question que je crois assez centrale et assez lancinante pour tout chercheur. Enfin, à titre pas du tout scientifique cette fois-ci, mais purement personnel, et j'espère que Pascal me pardonnera, je me réjouis tout particulièrement d'entendre Clotilde ce soir, qui est la première collègue que j'ai rencontrée en arrivant dans cette université, et dont l'accueil gentil et chaleureux ne s'est jamais démenti, donc je lui cède immédiatement la parole. Merci beaucoup Anissa, merci pour cette invitation au cycle de conférences d'histoire et de théorie du droit qui, lorsqu'il a été initié, tu t'en doutes, m'a ravie puisque chez généralement dans les universités de droit, on discute beaucoup de droit positif mais assez peu de théorie et à l'Université de La Réunion, le cours de philosophie du droit ayant été supprimé, malheureusement, on a encore moins la possibilité d'en discuter dans les murs de l'université, donc c'est l'occasion. Je remercie également Pascal d'avoir accepté d'être mon discutant aujourd'hui pour parler d'un sujet. Il a été un petit peu contraint en fait de venir. Je me suis dit que c'était intéressant de discuter avec un positivisme. Il a gentiment accepté d'en parler avec moi. Alors donc je vais vous parler du droit en interaction, donc illustration à partir des mécanismes du régime des obligations. Vous souvenez-vous de vos cours de régime des obligations ? Alors j'ai cru comprendre que pour certains vous n'en avez pas eu. Pour ceux qui en ont eu, vous vous souvenez certainement de la rigueur logique de ces mécanismes. Cession de créance, cession de dette, délégation, novation. Le RGO, de son petit nom, ne laisse pas l'étudiant qui s'y confronte indifférent. Soit il répugne sa logique, soit il la porte en admiration. Il invite, en tout état de cause, à la réaction. Sa technique place la discipline hors de portée des néophytes. N'imaginons pas présenter ces mécanismes à des non-juristes ou encore à des publicistes, au risque d'être stigmatisés comme des spécialistes de technologie juridique, pour reprendre les termes de Paul Hamselek. C'est pourtant bien le régime des obligations dont je vais vous parler aujourd'hui à l'occasion de cette conférence d'histoire et de théorie du droit. Mais n'ayez crainte, il ne s'agira pas d'entrer dans des détails techniques, mais plutôt de réfléchir à cette technicité pour la dépasser. Le régime des obligations, qui renvoie aux règles applicables dans la situation où un débiteur est tenu à l'égard d'un créancier, est complexe et aride parce qu'il est perché sur les hautes sphères de l'abstraction juridique. Ce que je voudrais vous démontrer aujourd'hui, c'est que l'approche qu'il propose n'est pas une fin en soi. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait polytechnique pour comprendre le droit promu par cette matière. Il suffit de l'appréhender autrement que par sa logique abstraite, que l'on qualifiera de conceptualiste. Le régime des obligations n'évolue pas, en vase clos,
autour d'une technique pure. Pour le comprendre, il est indispensable d'adopter un point de vue externe sur le droit promu par cette matière. Alors, la distinction établie entre le point de vue externe et le point de vue interne est celle de Herbert Hart dans son ouvrage « Le concept de droit ». Le regard externe permet de prendre du recul, de la distance par rapport à l'objet étudié, le droit. Comme un scientifique, le juriste peut travailler sur un objet qui lui est extérieur. C'est ce que révèle le mouvement de la science du droit au sein des autres sciences sociales. Par opposition, le point de vue interne sur le droit reflète ce que François Host appelle l'autoproduction dogmatique, voire normative du droit. C'est le travail de la doctrine qui consiste à prendre position sur la lege ferenda pour tenter d'influencer le processus de formation et de transformation du droit. 90%, pour ne pas dire 95% de la recherche en droit s'inscrit dans ce courant doctrinal qui consiste donc à adopter un point de vue interne sur le droit. C'est exclusivement ainsi que le régime des obligations est appréhendé. Cette approche conduit à envisager la matière de manière relativement figée. On photographie un objet, l'obligation, on l'immobilise pour l'étudier, on lui associe des propriétés et on en déduit des règles. Le regard porté à la matière est donc essentiellement formaliste, ce qui explique son aridité. Le point de vue externe permet de se décaler par rapport à ce formalisme juridique pour observer le droit en interaction avec son milieu et redonner un sens à son contenu. Le droit n'est pas une réalité naturelle, mais culturelle. Il s'agit d'une construction sociale, mais aussi d'une construction mentale, parce qu'il subit l'influence humaine. Alors, il s'agit d'abord d'une construction sociale, car il est le produit de la société dans laquelle nous vivons. Il est donc influencé par les discours qui circulent à son propos en société, discours politiques, discours économiques, entre autres. Mais il s'agit aussi d'une construction mentale, parce qu'il résulte des théories qui l'ont élaboré. Il est ainsi influencé par les discours conceptuels qui circulent à son propos, ce qui explique l'esprit de logique dont il est imprégné. Envisager le droit comme une construction en interaction avec le monde social et avec le monde des idées permet de sortir de la logique abstraite. Vous l'aurez compris, l'idée de cette conférence est de démontrer que le droit n'évolue pas en vase clos, y compris dans les disciplines les plus techniques, comme le régime des obligations. J'aimerais vous convaincre du fait que le régime des obligations constitue alors un merveilleux objet pour la sociologie juridique et pour l'épistémologie juridique, deux voies d'analyse externes du droit. Le régime des obligations peut en premier lieu faire l'objet d'une étude sociologique, car il s'agit d'une discipline qui s'est développée sous l'influence de son milieu social. Le régime des obligations est venu répondre aux aspirations du libéralisme économique et politique. Cette matière illustre comment le droit peut être instrument d'une politique juridique. Alors que la situation du débiteur et du créancier est normalement destinée à se dissoudre par paiement, un débiteur doit de l'argent et s'il paye, la situation de dette disparaît, eh bien on a imaginé que dans cette situation où un débiteur doit un créancier, cette situation puisse constituer le cadre de l'exercice de liberté. La créance dont dispose le créancier contre son débiteur va être assimilée à une richesse. Elle va entrer dans le monde des échanges pour développer l'économie sur la base du crédit. La sociologie du droit vise précisément à découvrir les causes sociales des règles de droit avant d'appréhender les effets sociaux qu'elles produisent. Et cette sociologie du droit permet d'appréhender le régime des obligations hors de sa technique. Le régime des obligations peut également faire l'objet d'une étude épistémologique. Une petite précision, car je sais que le terme épistémologie fait peur, on en a parlé lors d'un dernier séminaire doctoral, alors associer régime des obligations et épistémologie, il y a de quoi s'arracher les cheveux. En réalité, il est simple de comprendre ce qu'est l'épistémologie. Vous savez que les jurys se plaisent à élaborer des concepts, à faire une présentation ordonnée, systématique et cohérente du droit. Eh bien, l'épistémologie juridique a pour objet d'interroger ces méthodes de l'élaboration du droit. L'épistémologie nous fait réfléchir sur les théories du droit, qui mènent à souvent déformer la réalité par des représentations mentales.
Comme le disait Christian Attias, fervent défenseur de la démarche épistémologique du droit, il s'agit de transformer les principes, les postulats et les méthodes du droit en question. Il s'agit donc de prendre du recul sur ce que l'on fait en s'interrogeant sur notre démarche. Le régime des obligations constitue un merveilleux objet pour l'épistémologie en raison de la logique conceptuelle et abstraite sur laquelle reposent ces mécanismes. L'approche sociologique et l'approche épistémologique du droit sont assez peu répandues chez la doctrine privatiste, a fortiori en droit des obligations où la recherche est traditionnellement orientée vers une analyse du droit positif. Les causes sociales des règles juridiques, les postulats et principes des théories juridiques ne sont discutés souvent qu'en passant, à l'occasion d'une étude tendant à influencer le processus de formation et transformation du droit. Les juristes sont en permanence à la recherche du bon droit, de la bonne solution. C'est l'autoproduction dogmatique et normative du droit évoquée donc par François Host. Les discussions de juristique, comme on les appelle, placées en périphérie du droit, n'intéressent pas, ou très peu. Ces discussions sont pourtant fondamentales, car le droit est en interaction permanente avec son milieu. Ce milieu le façonne. Pour comprendre le droit tel qu'il est, tel qu'il s'est construit, il est donc indispensable de se décaler par rapport à la pure logique juridique. Pour vous parler de ces interactions du droit, je vous propose de partir de deux exemples de mécanismes de régime des obligations. La cession de créance et son revers conceptuel, la cession de dette. Ces exemples sont intéressants car ils reflètent comment le droit est en interaction avec son milieu de deux façons très différentes. La cession de dette est une construction sociale imaginée au XVIIIe siècle pour répondre à une volonté de libéralisation de l'économie. La cession de dette, en revanche, est une construction mentale, spéculative, imaginée par pure abstraction en théorie pour répondre à une logique de symétrie des idées juridiques par rapport à la cession de créance. Ces exemples sont également intéressants car ils correspondent à deux périodes et donc à deux façons de penser le droit en France. Le XVIIIe siècle, d'une part, et le XXe, XXIe siècle, d'autre part. Nous mobiliserons donc l'histoire du droit. L'approche est absolument indispensable lorsqu'on fait de la sociologie et de l'épistémologie. Alors que la cession de créance et la cession de dette sont présentées comme d'exactes symétriques conceptuelles par le prisme de l'obligation, notre logique visera à les dissocier. Alors j'articulerai mon propos volontairement en trois parties, sans souci de symétrie, puisque comme il s'agit de s'éloigner de la logique formelle qui est celle des juristes, faisons-le tant sur le fond mais aussi sur la forme. Il nous faut dans un premier temps présenter le droit comme une construction interactive. Je mobiliserai pour ce faire les outils d'un philosophe des sciences qui s'appelle Jan Hacking et qui a théorisé ce qu'il appelle l'effet boucle et qui permet opportunément de comprendre les interactions du droit. Donc la première partie portera sur le droit comme une construction interactive. Dans les deux parties suivantes, j'illustrerai le propos à partir de deux mécanismes du régime des obligations que je viens d'évoquer, la cession de créance qui est une construction sociale et la cession de dette qui est une construction mentale. Le droit comme construction interactive, tout d'abord. La complexité et l'opacité qui caractérisent le régime des obligations s'expliquent pour une bonne raison. Elles s'expliquent par la dérive logique et conceptualiste de la pensée juridique. Appréhender le droit en interaction conduit donc à rejeter cette approche avant d'adopter l'approche constructiviste indispensable à l'étude de tout objet interactif. Donc, le rejet de l'approche conceptualiste du droit et puis l'adoption d'une approche constructiviste du droit. Le rejet de l'approche conceptualiste, tout d'abord. Qu'est-ce que le conceptualisme juridique ? Le conceptualisme, consiste à traduire la réalité juridique à partir de concepts destinés à dire ce qu'Olivier Jouangean appelle la vérité intime du droit. La méthode conceptualiste mène à rechercher le fondement d'une institution juridique ou d'un mécanisme juridique dans des concepts abstraits, qui vont être considérés comme des réalités objectives ayant une nature propre, comme des éléments de la nature. Cette tendance du droit au conceptualisme est ancienne. Elle remonte à ses origines, à Rome, où le droit va créer des fictions juridiques, dotées d'une vie propre, pour marquer son efficacité. Le droit, à l'époque, devient une véritable métaphysique. Il se situe en détachement des forces politiques, sous forme d'un savoir et de rituels spécialisés pour marquer son autonomie. Aldo Schiavone,
dans son magnifique ouvrage que je vous recommande, Ius, l'invention du droit en Occident, expose ainsi comment le droit se constitue en langage autonome visant à transformer en schéma abstrait les relations sociales. On retrouve naturellement les traces de cette autonomie conceptuelle aujourd'hui, de sorte que le droit est considéré souvent comme un monde à part, ayant créé ses propres réalités objectives, comme s'il s'agissait d'éléments de la nature. Par exemple, dans le cadre du régime des obligations, on considère souvent l'obligation comme un organisme vivant par le biais de la métaphore biologique. L'obligation est étudiée à travers les différentes étapes de sa vie, de sa naissance à son extinction. Elle naît, se transforme et meurt. Depuis l'obligation romaine, l'obligation a une existence propre. La correspondance entre les catégories juridiques et les types biologiques est très présente dans le langage juridique car elle favorise l'identification de caractéristiques communes générales. Alors, si la méthode conceptualiste est intéressante pour théoriser le droit, qu'elle a permis au droit de se développer purement et simplement en discipline autonome, deux critiques peuvent toutefois être formulées à son égard. La première critique tient à ce que les règles de droit d'une discipline ne sont expliquées que par référence à des concepts, en vase clos, sans référence avec la réalité sociale. Les concepts détachent le droit de ses forces créatrices et notamment de la politique. Mais comme on peut difficilement se passer du sens à ce qu'on étudie, la tendance est à expliquer le droit par référence aux institutions romaines. On inscrit ainsi les concepts dans une permanence historique, comme s'ils avaient toujours existé, et surtout comme s'ils avaient toujours eu le même contenu. C'est ce qu'on appelle la permanence du droit, qui vise à considérer que les Romains auraient créé des catégories immuables. La démarche est très répandue chez les civilistes. La référence historique permet de légitimer le discours, d'élever un peu le propos, de l'introduire. Si l'on prend l'exemple de la cession de créances, il est d'usage de la présenter comme étant issue du droit romain. L'origine romaine de la cession de créances est imaginée par Potier, qui, on le sait, par ses travaux, a influencé fortement notre code civil. Or, la cession de créances est une construction de la pensée juridique moderne qui a émergé avec le libéralisme économique. Elle n'existait absolument pas à Rome. Détacher le droit de sa réalité sociale mène à falsifier ses origines. La seconde critique que l'on peut porter au conceptualisme tient au fait que la méthode conduit à déduire des règles de droit à partir des concepts et non l'inverse. Dans le cadre du régime des obligations, les catégories vont ainsi permettre de déduire des règles juridiques à partir de propriétés intrinsèquement reconnues à l'obligation. Par exemple, on conceptualise l'obligation comme un bien, ce qui va permettre d'imaginer qu'elle puisse être transmise tant dans sa dimension active, la créance, que dans sa dimension passive, la dette. C'est à partir de ces conceptions que la réforme du 10 février 2016, grande réforme du Code civil, grande réforme du droit des obligations, a conduit à consacrer la cession de dette. On le verra, la cession de dette est le fruit mûr de la logique conceptualiste qui conduit à ériger les concepts au rang de cause des règles de droit de façon purement abstraite. Déduire des règles à partir de concepts, l'origine des obligations a de quoi être complexe et torturer les étudiants. Et cette torture intellectuelle est regrettable parce qu'elle n'est pas inéluctable. Dès le début du XXe siècle, la dérive conceptualiste a vivement été dénoncée par Génie. L'auteur déplore, je le cite, « l'emploi de conceptions pures développées par une logique toute abstraite et considérée comme instrument nécessaire de fécondation des textes légaux ou d'élaboration d'idées juridiques indépendantes ». Le régime des obligations pousse à son paroxysme la tendance des juristes à raisonner par l'abstrait, par des concepts en vase clos, selon un langage replié sur lui-même. « Idées juridiques indépendantes », nous dit Génie. Je crois que là est le point fondamental. Les juristes raisonnent selon une logique propre, en auto-référence, et tout cela en perdant parfois de vue que les règles qu'ils édictent et qu'ils étudient évoluent dans un environnement social, un environnement d'idées. Génie invite alors à considérer que le droit n'est pas seulement l'art de construire des règles par recours à des procédés techniques, mais aussi un effort d'analyse des faits sociaux. Il invite à considérer les données réelles, historique et rationnel de la fabrication des règles. Il est alors tout à fait possible de dépasser le conceptualisme juridique, de prendre de la distance avec le formalisme pour adopter une approche constructiviste du droit.
Donc le choix d'une approche constructiviste du droit. Prendre de la distance avec le conceptualisme impose de bien justifier la démarche. Si le droit peut et doit être envisagé dans son environnement, environnement social, environnement d'idées, c'est parce qu'il s'agit d'un objet interactif et non d'un objet indifférent. Alors, pour vous présenter cette particularité du droit, je vais mobiliser une classification établie par le philosophe des sciences, Yann Hacking. Selon Yann Hacking, il est possible de répartir les objets d'études scientifiques en deux catégories. Les objets indifférents, d'une part, et les objets interactifs, d'autre part. Les objets indifférents, tout d'abord, ce sont ceux qui ne sont pas affectés par les discours qui circulent à leurs propos, car ils ne peuvent pas se transformer sous leur effet. Ce sont les objets étudiés par les sciences exactes, les sciences de la nature. Par exemple, en physique, on étudie l'univers dans son monde naturel. On ne peut pas transformer les planètes ou transformer l'univers lui-même parce qu'on l'étudie. On peut éventuellement faire évoluer nos théories sur cet univers, mais on ne peut pas le transformer. Les objets interactifs sont ceux qui, au contraire, sont affectés par les discours qui circulent à leurs propos et qui se transforment sous leur effet. C'est ce que Yann Hacking appelle l'effet boucle ou le looping effect. Le droit est un objet interactif. Il évolue au gré des discours qui lui sont portés parce qu'il s'agit d'une construction qui s'ajoute au réel. Le droit est donc influencé par le monde social dans lequel il se déploie, mais aussi par le monde des idées, autrement dit, par les constructions théoriques qui le façonnent. Je vais faire un petit schéma rapide pour l'effet boucle, afin qu'on le visualise, parce que je sais que c'est assez théorique tout ce que je vous raconte. Alors, donc l'effet boucle, avec donc comme objet le droit, donc permet donc d'envisager le droit en mouvement. On a en haut, le monde des idées. Et en bas, le monde social. On en aura besoin pour toute le reste de la présentation. Donc le droit est un objet interactif, il évolue au gré des discours qui lui sont portés parce qu'il s'agit d'une construction qui s'ajoute au réel. Donc je le disais, il est influencé par le monde social, il est influencé aussi par le monde des idées. Ceci étant dit, entrons à présent dans la logique constructiviste. Alors qu'est-ce que le constructivisme? Encore un mot compliqué. Le mouvement du constructivisme s'intéresse tout simplement aux élaborations humaines, quelle que soit leur nature. On retrouve le constructivisme dans de nombreuses disciplines, en psychologie, en mathématiques, dans le monde artistique, en politique. Et le constructivisme est particulièrement développé en sociologie. Le constructivisme social, c'est un courant de la sociologie qui vise à étudier les constructions sociales. Le constructivisme, il est également étudié en épistémologie, et on étudie en épistémologie les constructions mentales. Le constructivisme est inexploré en droit. Ce qui est assez étonnant car, on l'a dit, le droit est une construction humaine. Il est tout à fait possible de transposer le mouvement du constructivisme en droit par la voie de la sociologie juridique et par la voie de l'épistémologie juridique. Alors, tout d'abord, le droit est une construction sociale, on l'a dit. Le droit, il est produit du monde social dans lequel il vit. La conception du droit comme une construction sociale est finalement assez répandue chez les juristes, assez partagée. On commence par là le cours de première année en introduisant le cours de première année en droit, ubi societa ibius, là où il y a une société, il y a du droit, parce qu'il organise la vie sociale. Mais les juristes s'arrêtent assez vite dans le raisonnement en considérant tout simplement que le droit s'adapte aux faits sociaux. L'approche est assez réductrice. Christian Attias démontre que l'adaptation du droit aux faits est un mythe qui évite de s'interroger sur les facteurs d'influence externes au droit. Au lieu de considérer que le droit est une construction sociale en mouvement, fruit d'une volonté de politique juridique, et d'étudier cette politique juridique, on se contente d'observer que le droit ne ferait que consacrer des faits. Mais le droit ne fait pas que consacrer des faits bruts. Il est le produit d'une volonté sociale qui exprime ce qui doit être et pas seulement ce qui existe. Le droit est un produit politique. Jacques Chevalier l'exprime
fort justement, en relevant, je le cite, que la science du droit ne saurait se désintéresser des processus sociaux et politiques de production et d'application du droit, sauf à sombrer dans un formalisme desséchant, ignorant tous les enjeux dont la norme juridique est porteuse. Les propositions du droit traduisent les préférences d'une autorité. Et nous verrons dans le cadre du régime des obligations que ces préférences libérales se retrouvent très nettement. Le droit est non seulement une construction sociale, mais aussi une construction mentale. Il est le produit du monde théorique qui permet de le façonner. Cette approche du droit comme une construction mentale est beaucoup moins répandue. Le droit est pourtant en pleine interaction avec le monde des idées parce qu'il fait l'objet de nombreuses théories juridiques. Les théories conduisent à ranger les outils juridiques en vigueur et à en faire une présentation ordonnée, systématique, cohérente. Or, ces théories juridiques ne se distinguent pas bien du droit qu'elles prétendent étudier, car elles cherchent directement à l'influencer. C'est le travail de la doctrine qui s'est imposé comme moyen de penser le droit en France, et la doctrine prescrit bien plus qu'elle ne décrit le droit positif. J'aime bien l'image de François Host et de Michel Van de Kerchhoff qui imaginent le droit comme se jouant au théâtre et la doctrine qui quitte le rang des spectateurs pour jouer le rôle de souffleur. Elle souffle la réplique au droit. En faisant cela, la doctrine fait des propositions au droit. Elle transpose ses constructions mentales sur le droit. Elle va le façonner et il va évoluer au gré des théories. Nous verrons dans le cadre du régime des obligations que la théorie a façonné les règles du droit des obligations telles qu'elles ont été consacrées par la réforme de 2016. C'est ainsi donc qu'il est possible de dire que le droit est une construction en interaction. Le droit est affecté par les discours qui circulent à son propos, que ces discours soient politiques, économiques, logiques et on verra même mathématiques. Le droit est en mouvement. Et comme l'effet boucle représenté ici ne se fiche pas au moment où les discours se rencontrent, ce phénomène est continu. La boucle ne s'arrête jamais. La classification établie par Yann Hacking est intéressante car elle permet de comprendre que le droit se transforme en permanence sous l'effet des discours qui lui sont portés. Considérer le droit de façon interactive permet de prendre de la hauteur par rapport au concept et de saisir que le droit est un outil merveilleusement protéiforme et évolutif, c'est un outil créatif. Venons-en maintenant à nos illustrations, donc la cession de créance et la cession de dette. Tout d'abord, la cession de créance comme construction sociale. Si l'approche du droit en interaction avec son milieu social n'est naturellement pas inconnue des juristes, elle ne semble pas avoir percé la frontière conceptuelle du régime des obligations. Pourtant, la cession de créance est bien née dans un souci de libéralisation de l'économie, en interaction donc avec son milieu social. Il est intéressant d'observer le phénomène pour voir comment le droit seconde le social, ce sera le premier temps, sans pour autant le dupliquer exactement puisqu'il reste un monde à part qui crée son imaginaire. Donc le droit seconde le social, mais il crée aussi son imaginaire à partir de ce qu'il seconde dans le social. Donc le droit seconde le social. François Host, en s'inspirant de la pensée des anthropologues sur la double institutionnalisation, nous enseigne que le droit constitue une institution au second degré, qui intervient pour seconder le social. Il nous dit que le droit redouble, au sens où il multiplie par deux, il rend double. Le droit se superpose à la réalité, il se superpose aux faits. On l'a dit, donc le droit seconde le social, non pas parce qu'il consacre des faits bruts, hein, mais au sens où il répond aux aspirations d'une société. C'est un produit politique. La cession de créance en est une belle illustration. La cession de créance est imaginée à l'époque où émerge le libéralisme économique et politique, orienté vers l'accroissement des richesses par le développement des échanges. Le développement de certains instruments juridiques correspond à l'époque où l'État a voulu accorder plus de liberté aux particuliers pour servir l'intérêt général par la multiplication des richesses qui allait en être la conséquence. Ripper, dans son ouvrage sur les aspects juridiques du capitalisme moderne, observe ainsi que le capitalisme industriel et financier a créé une législation qui lui a permis d'affirmer sa puissance. La cession de créance apparaît dans ce contexte, au XVIIIe siècle, lorsque le droit va pouvoir lui offrir une assise juridique. On va imaginer qu'un créancier, disposant d'une créance contre son débiteur, puisse la céder, comme on pourrait céder un bien matériel, et alors même que ce créancier n'en a absolument pas la possession matérielle.
la vie économique va mettre en marche la technique juridique. Alors avant de vous expliquer comment la technique juridique s'est saisie de cet objet, la cession de créance, pour la réglementer, voyons comment ce mécanisme a suivi la réalité sociale. Le droit a suivi le social dans le sens où la pratique économique lui était antérieure. On trouve les origines de la cession de créance, non pas à Rome, mais dans le transport de titres négociables dans le commerce en Italie au XVIe siècle. Pour éviter les transports d'argent et parce que la monnaie métallique devient insuffisante pour faire circuler les biens, un titre va consacrer au profit de son porteur un droit d'être payé. Donc au lieu de transporter de l'argent, on transporte un titre qui consacre notre droit d'être payé. C'est la technique de l'endossement qui se développe. Condamnée au départ, cette pratique sera consacrée pour les commodités du commerce sous l'influence du chancelier d'Aguesseau. L'escompte devient alors instrument du capitalisme commercial jusqu'au XVIIIe siècle. Le crédit se développe progressivement à mesure où de nouveaux moyens sont trouvés pour faire circuler les capitaux. Et ces innovations vont retentir sur le droit, pour accorder la possibilité à un créancier de disposer d'un titre portant sur une chose dont il n'a pas encore la possession matérielle. Le créancier, il a juste le droit de réclamer une somme d'argent. Il n'a pas la somme, mais il va pouvoir quand même céder son titre. C'est la consécration donc de la cession de créance dans le Code civil en 1804, dans la partie relative à la vente. La répercussion du libéralisme économique sur le droit est ici flagrante. L'économie capitaliste, pour s'installer, a dû modifier ce qui existait et créer ce qui n'existait pas. Donc c'est ainsi, pour multiplier les échanges et en vue d'augmenter les richesses, que le capitalisme a créé son droit. Évoquons à présent l'imaginaire qu'a dû créer le droit pour accueillir la cession de créance parmi ses conceptions. Le droit a créé donc un imaginaire. Si le droit seconde le social, il n'en constitue pas la copie conforme. François Host, pour reprendre son analyse, l'exprime fort justement en relevant que le droit redouble le social sans pour autant en être le simple doublon, la reduplication passive sur un mode technique. Le droit est créatif, il invente et institue ses propres objets, il crée ses propres fictions. On l'a dit, depuis l'époque romaine, le droit s'institue en détachement des forces politiques, sous forme d'un savoir et de rituels spécialisés. Le cas de la cession de créance est encore une fois très intéressant car il révèle comment le droit va imaginer libéraliser l'économie en créant de toutes pièces une fiction juridique. Accorder la possibilité à un créancier de céder le bénéfice d'une chose qui lui est due mais dont il n'a pas la possession matérielle ne va pas de soi. En effet, le créancier dispose seulement d'un droit. En consacrant la cession de créance, on va devoir juridiquement assimiler les droits et les biens pour qu'ils circulent. Cette évolution juridique va conduire à pousser les cadres conceptuels. Potier, qui imagine conceptuellement la cession de créance, adopte ainsi un nouveau regard sur les choses. Les droits, qualifiés de choses incorporelles, vont ainsi être assimilés aux choses corporelles dans leur régime juridique. Ainsi, dans le patrimoine, vont figurer comme élément d'actif, à côté des choses matérielles, mobilières et immobilières, des droits. Carbonnier parle alors de l'entrée dans le monde juridique des biens qui n'en sont pas. C'est la dématérialisation du droit des biens par l'appropriation des droits. On observe bien là comment la cession de créance peut s'appréhender au-delà des concepts, comme un mécanisme juridique ayant été inventé par les juristes pour répondre à un besoin de libéralisation de l'économie. Voyons comment le droit, au-delà de son milieu social, peut aussi être en interaction avec le monde des idées théoriques et qu'il n'est parfois qu'une construction mentale purement spéculative, grâce à l'exemple de la cession de dette. Alors la cession de dette, une construction spéculative, mentale. Le droit ne fait pas qu'imaginer comment créer des objets juridiques destinés à servir le social. Il reçoit aussi l'imagination pure des juristes en secondant la théorie. On se demande alors, dans ces circonstances, si ces créations, pensées par pure abstraction, peuvent trouver une vérité correspondante dans la réalité sociale. Est-ce que l'effet boucle, les créations dans le monde des idées, peuvent se retrouver dans le monde social ou est-ce que le droit n'est qu'une pure chimère dans ces circonstances où le droit est pensé par pure abstraction?
Alors, on va voir d'abord comment le droit peut seconder la théorie, avant de voir comment le droit ne trouve parfois pas de résonance dans la réalité sociale et qu'il est une pure chimère. Donc, le droit seconde la théorie, tout d'abord. On vient de voir comment le droit avait fait œuvre créatrice avec la cession de créances. Mais l'imaginaire du droit ne se limite pas à partir de la réalité sociale pour inventer des objets. Il va bien au-delà. La créativité juridique n'a pas de limite. Les juristes ont ainsi voulu poursuivre la logique entamée avec la cession de créances en imaginant son revers réciproque par souci de symétrie, la cession de dette. À la fin du XIXe siècle, la théorie des obligations se transforme sous l'influence d'un courant de pensée. Ce courant de pensée, c'est le courant patrimonialiste importé d'Allemagne par Saleil et Godemet. En vertu de ce courant, l'obligation pourrait être considérée non seulement comme un lien entre deux sujets, le débiteur et le créancier, mais aussi comme un bien auquel est attachée une créance et une dette. On imagine alors que l'obligation pourrait être cédée, tant dans sa dimension active, on l'a admis déjà, mais aussi dans sa dimension passive, la dette, par effet de réciprocité. Les conceptions théoriques qui s'élaborent à l'époque s'imprègnent de logique, de symétrie, d'esthétique. Les juristes sont séduits par le parallélisme pédagogique qu'offre la science économique et plus spécialement même la comptabilité, un actif correspond à un passif. Eh bien, on va transposer ce parallélisme sur l'obligation qui va alors se rapprocher du crédit. L'obligation, à l'époque, commence par être envisagée comme une médaille à deux faces. Elle aurait une créance à son actif et une dette à son passif. On observe ainsi que le droit, au-delà d'une inspiration des métaphores biologiques, est aussi imprégné de conceptions économiques, mathématiques, presque algébriques. À l'époque, fin 19e, début 20e, seul un débat théorique est introduit sur la possibilité de céder une dette. Ce n'est que bien plus tard que la cession de dette sera consacrée comme un instrument juridique légal dans la réforme du 10 février 2016. Au début du XXe siècle, aucune résonance n'est trouvée dans le droit positif. Et c'est assez logique parce que les juristes s'interrogent tout de même sur le sens de leur législation. La cession de dette va susciter une grande controverse dans la première moitié du XXe siècle, signe que son admission n'allait pas de soi. La controverse qui émerge porte sur le fait de savoir si une dette peut vraiment être transmise. Deux courants s'opposent. Un premier courant, le courant patrimonialiste, qui considère que l'obligation est un bien et qu'elle est ainsi devenue transmissible dans ses deux dimensions, active, passive. Ses partisans, donc les partisans du courant patrimonialiste, mettent en avant le fait qu'au XIXe siècle, la personnalité du débiteur et du créancier serait devenue un élément secondaire par rapport à leur patrimoine. On pourrait donc céder une créance comme une dette. De l'autre côté, le courant personnaliste considère que l'obligation est avant tout un lien entre deux sujets de droit et que les intérêts du créancier ne pourraient qu'être lésés si la cession de dette était admise. La dette vaut ce que vaut le débiteur, on ne pourrait pas la céder. Finalement, à l'époque, c'est un débat de concept qui divise la doctrine. L'obligation est un bien, l'obligation est un lien. Or, un débat conceptuel est insoluble car chacun défendra la manière dont il se représente un objet juridique, dont il se représente le droit. On peut alors débattre longtemps car le débat n'a pas d'emprise sur le réel. La réalité ici aurait imposé de s'interroger sur la consistance respective d'une créance et d'une dette afin de déterminer si une dette est seulement cessible. Seulement, on en était bien incapable à l'époque car le sens des notions de dette et de créance s'était totalement dilué sous l'effet du conceptualisme juridique qui a conduit à réduire la dette et la créance à l'unité via l'obligation. Une étude historique permet toutefois de redonner un sens à ces notions avant qu'elles ne soient assimilées et de comprendre ainsi pourquoi une dette ne peut à proprement parler être cédée. La dette ne peut être cédée parce qu'il s'agit d'une notion économique qui renvoie tout simplement à un état financier descriptif purement comptable. La dette renvoie à ce qui est dû par un débiteur à un créancier. Ce n'est pas le revers de la créance, elle est l'objet de la créance, et non pas son revers. Rappelons-le, la créance, c'est un titre qui consacre le droit au créancier à la chose qui lui est due. La dette, c'est l'objet de la créance car elle indique le montant qui est dû. On a du mal à se le représenter aujourd'hui parce que le revers créance-dette s'est initié dans le langage juridique avant de rejoindre le langage courant et même l'économie.
Donc les dissocier, ça implique de se concentrer beaucoup et de faire une vraie étude historique et on a du mal à l'admettre. Mais en tous les cas, c'est possible de les dissocier. Et malgré l'inconsistance juridique de la dette, notre droit positif reconnaît aujourd'hui qu'une dette peut être cédée par le débiteur en raison de sa réciprocité établie avec la créance. La cession de dette, hein, je vous l'ai dit, a ainsi été consacrée par l'ordonnance du 10 février 2016 et elle est réglementée aujourd'hui aux articles 1327 à 1328-1 du Code civil. Il est marquant d'observer ici comment une création en pure abstraction est devenue droit positif. Le monde des idées a directement influencé le droit. La consécration de la cession de dette démontre bien, et c'est assez problématique, que les théories ne se distinguent pas bien du droit qu'elles prétendent étudier, car elles cherchent directement à l'influencer. La question qui se pose alors est de savoir si au moyen de concepts, la doctrine peut non seulement manipuler le droit, mais aussi manipuler la réalité sociale. Autrement dit, la conception de la cession de dette peut-elle créer la nécessité juridique de céder sa dette ? Donc, est-ce qu'on peut créer en créant un objet juridique, est-ce qu'on peut créer une nécessité sociale ? Eh bien, on va voir que peut-être dans certaines hypothèses, mais dans le cas qui retient notre attention ici, la dette, le droit, en est à l'état d'une chimère. C'est donc la dernière partie. Les juristes étant familiers des fictions, il est légitime de se demander si la création d'une telle opération juridique par pure abstraction ne va pas trouver une résonance dans la réalité sociale. Après tout, c'est François qui nous le dit, le droit est l'art des constructions imaginaires, il est tissé de fiction, et l'écart avec le réel est même constitutif de son efficacité. Pourquoi donc être réfractaire au fait que le droit soit inventif et fictif ? Selon le philosophe des sciences Gaston Bachelard, qui reprend sur ce point la pensée de Kant, ce serait le propre des théories d'être antérieures à l'expérience et à les orienter. Rien n'empêche ensuite ces théories de se corriger au fil du temps pour s'ajuster à la réalité. Les juristes ont de tout temps été considérés comme des bâtisseurs voulant influencer la réalité. Et Jacques Chevalier observe en ce sens que le droit peut exercer une action en retour sur la réalité sociale. Alors effectivement, certaines constructions mentales peuvent façonner notre droit dans la façon dont il a de se représenter, de s'organiser. Les catégories juridiques façonnent le droit et sa pratique. En revanche, il n'est pas du tout certain que la création d'une habilitation juridique à transmettre un débit comptable, la dette, trouve une quelconque résonance dans la réalité. Et c'est ce que nous enseigne la réception tant pratique que théorique de la cession de dette depuis la réforme de 2016. En pratique, l'opération ne semble pour le moment pas susciter l'attrait. Pas de cession de dette visible, en tous les cas, par ce qu'on peut en voir. Aucun contentieux n'a d'ailleurs émergé à son propos, car aucune décision de juge du fond n'en fait mention. En théorie, l'opération suscite par ailleurs l'interrogation de la doctrine, qui n'y reconnaît pas une véritable cession. Lorsqu'une cession intervient, une opération translative de droit est supposée se réaliser. Une personne succède à une autre, comme dans une vente. Or, le nouvel article 1327-2 du Code civil prévoit que le débiteur originaire n'est pas libéré par la cession de dette. Il n'y a pas substitution de débiteur, mais adjonction de débiteur, deux débiteurs. Une personne s'engage à payer la dette d'un autre, mais finalement, ils sont tous les deux tenus. Les articles du Code civil traduisent implicitement que la cession de dette n'est pas vraiment concevable. La créance, elle, pouvait être cédée et sans accord du débiteur, puisqu'il s'agit d'une valeur, d'une richesse qu'on peut s'approprier. La dette, elle, ne peut pas s'approprier, puisqu'elle traduit un état comptable. Ce n'est pas un droit, d'ailleurs. Céder sa dette n'a donc juridiquement aucun sens. Et si on peut envisager un changement de débiteur dès lors qu'une autre personne accepte de payer, eh bien, ce n'est pas à proprement parler une cession de dette, il n'y a pas de transmission. On voit alors comment une pure spéculation a pu être consacrée dans la loi sans trouver de résonance avec la réalité. On trouve une explication à ce défaut de résonance de la cession de dette dans la réalité par l'absence de vérité correspondante entre la théorie et la pratique, entre le monde des idées et le monde social. Selon le philosophe et logicien Alfred Tarski, les théories ne peuvent constituer de pure spéculation et doivent montrer un ancrage dans ce qu'il appelle la vérité correspondante. Une théorie qui ne correspond pas aux faits est falsifiée. Un droit qui ne trouve pas de correspondance dans la réalité sociale n'est qu'une chimère.
Le droit ne devrait pouvoir être envisagé qu'en correspondance, donc avec la réalité sociale. Si on reprend notre petit schéma de l'effet boucle, finalement, on devrait toujours partir du monde social pour en parvenir au monde des idées, revenir éventuellement au monde social, mais pas partir du monde des idées pures pour créer des inventions. Nous conclurons donc avec la pensée de Duguit, fervent défenseur de l'approche épistémologique du droit. L'auteur insiste sur la correspondance que celui-ci doit trouver dans les faits, car il ne peut, je cite, donc il parle des faits, les faire entrer de force dans des cadres arrêtés d'avance. Duguit ajoute, cette méthode déductive est dangereuse et c'est l'emploi à peu près exclusif de ce procédé qui, jusqu'à aujourd'hui, a arrêté le développement des sciences sociales. Duguit, conscient des risques des raisonnements en vase clos des juristes, voulait intégrer la méthode sociologique de Durkheim et transformer les facultés de droit en facultés de sciences sociales. Peut-être faudrait-il effectivement espérer que le droit se rapproche des sciences sociales, dont il reste à l'écart, en raison de sa prétendue autonomie. Et c'est sûrement de cette façon que l'on pourra s'éloigner de sa logique parfois aride et abstraite qui torture les étudiants. Voilà, je vous remercie. Merci, merci infiniment Clotilde. Et je cède immédiatement la parole à notre positiviste. Je ne suis absolument pas sûr que le qualificatif de positiviste me corresponde, mais bon. Alors, par où attraper ton discours ? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses avec lesquelles je suis en désaccord, quelques-unes avec lesquelles je suis en accord. Je vais commencer par les dernières, parce qu'elles sont quand même plus sympas. Je suis tout à fait d'accord avec tes conclusions. Vraiment avec les conclusions selon lesquelles le droit ne vit pas en vase clos, le droit est un produit autant de la société que d'approches conceptuelles, doctrinales, un petit peu abstraites. Et effectivement, le droit se construit en interaction entre ces systèmes de pensée issus de théories, issus de la doctrine, c'est vrai, et puis la réalité sociale relayée par la doctrine, ce que tu ne dis à mon avis pas suffisamment. Mais je vais y revenir. Je suis également d'accord sur tes deux illustrations qui sont particulièrement bien choisies puisqu'elles suggèrent, plus qu'elles ne sont réellement, elles suggèrent les deux facettes d'un même mécanisme, donc les deux reflets sur le miroir. Effectivement, et l'une, la cession de créance est vraiment issue des besoins de la pratique. Pour dire les choses simplement, si j'ai bien compris, tu me corriges si je me trompe, mais la créance est une valeur. Toute valeur a besoin de circuler d'un patrimoine à un autre, donc on a trouvé un mécanisme juridique pour la faire circuler. Et le mécanisme que l'on a trouvé, Potier, tu l'as rappelé, est de dire, bon, bah, finalement, la créance en tant que valeur est un bien, parce que tout bien est une valeur, donc pourquoi est-ce que la créance ne serait pas aussi un bien ? Et donc on peut la céder, on peut la vendre, et c'est ainsi qu'on a 1692 du Code civil en 1804. La dette, effectivement, c'est tout à fait autre chose. On a des cessions de dette, des fausses cessions de dette depuis longtemps, la délégation aboutit à une cession de dette, surtout lorsqu'elle est parfaite, c'est certain. Avait-on besoin de la cession de dette ? C'est très discuté. Ça a été très discuté avant la réforme, ça reste très discuté aujourd'hui, tu as parfaitement raison. En avait-on besoin ? Pas sûr, parce qu'au fond, on avait des mécanismes comme la stipulation pour autrui ou surtout la délégation qui permettaient d'arriver à des solutions à peu près équivalentes. Était-ce faisable ? Était-ce possible de concevoir une cession de dette ? Bah, là, tu as rappelé, toutes les querelles étaient possibles. Certains disaient oui, certains disaient non. La logique patrimonialiste, la logique, personnaliste. Et même à l'intérieur de tout ça, il y avait beaucoup plus de subtilité que ce que tu as dit, puisque si on prend la thèse de Laurent Hennès, il nous dit la dette, on peut la céder, mais à condition de la céder avec sa cause. Et à ce moment-là, c'est une cession de contrat. Donc bon, il y avait encore plus de subtilité que ça. Donc, sur le fond, je suis tout à fait d'accord. J'approuve les deux exemples que tu as choisis. Là où vraiment je suis en profond, mais profond désaccord, et finalement, j'ai bien fait de me taper les embouteillages, rien que pour te dire ça, c'est sur le postulat de départ et donc sur le fil de ta démonstration. Parce que je pense que ton postulat de départ est profondément faux. Sur l'abstraction et le conceptualisme Je pense que quand tu dis que... Alors, trois points. Quand tu dis que les civilistes
ont tendance à résonner en vase clos. Alors je reprends toutes tes expressions dont tu peux noter l'excès. Pure chimère, pure abstraction, esprit logique, logique abstraite, rigueur logique, en vase clos, replié sur elle-même, regard figé, tout ça je l'ai extrait de ton discours. Mais c'est faux, les civilistes ne raisonnent pas comme ça. Peut-être que certains, des mauvais, oui, peut-être que certains raisonnent comme ça. Sans doute y en a-t-il. Mais je pense que Kelsen raisonne beaucoup plus en vase clos que les civilistes, par exemple. Kelsen, sa théorie pure du droit, est effectivement une théorie détachée de la réalité du droit, de ce qu'il produit, des solutions qu'il produit. Le juste l'indiffère peu. Ce qui compte, c'est effectivement une certaine logique purement formelle. Les civilistes, je n'en connais pas qui soient indifférents au produit social des solutions qu'ils proposent. Je pense que tout civiliste, tout privatiste recherche dans un premier temps à accueillir un besoin social, une réalité sociale, à le traduire en termes juridiques, parce que le discours juridique est une fiction, mais le droit est une fiction, pas seulement la théorie. Le droit, c'est une fiction. Le droit, c'est rien, c'est du vent, c'est du discours. Donc ça n'est rien d'autre que ça. Et ensuite, une fois qu'on l'a intégré à l'intérieur de catégories, à l'intérieur de mécanismes que l'on connaît, on se raccroche un petit peu à nos constructions, à nos systèmes, on est tous des faiseurs de systèmes, alors effectivement, on essaie de lui faire produire les effets, mais les effets concrets que l'on recherche. Une solution n'est pas bonne, et c'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec toi, une solution n'est pas bonne parce qu'elle est justifiée par des concepts, par des théories. Une solution est bonne parce qu'elle est juste socialement. Et c'est ça le discours du juriste et du civiliste. La question est de savoir, et tu donnes également l'exemple du régime général des obligations qui serait abstrait, qui serait... Alors c'est quoi que tu dis, je sais plus. Qui serait conceptuel. Abstraction de haute sphère ou un truc comme ça, rigueur logique, tout ça. Mais pas du tout. Mais pas du tout. L'obligation naturelle, il n'y a rien de plus insaisissable. La condition, le mécanisme de la condition suspensive... S'il a évolué ces dernières années, c'est justement parce qu'on a cherché à adapter la logique objective, implacable de la condition qui, dès lors qu'elle défaille ou dès lors qu'elle s'applique, produit des effets, pour tenir compte de la justice sociale, pour tenir compte de l'intérêt de celui dans l'intérêt duquel la condition a été stipulée. Logique contre laquelle revient ou tente de revenir maladroitement la réforme. Mais justement, le régime des obligations est un droit éminemment malléable en fonction des solutions justes ou injustes qu'il produit. Les quasi-contrats, quand on a inventé le quasi-contrat innommé en matière de loterie publicitaire, tu vas me dire que c'est une logique déductive du monde des idées, mais pas du tout. Pas du tout, c'est que c'est une utilisation opportuniste d'un mécanisme juridique. Mais c'est bien parce qu'il y avait avant ça l'échec du contrat, l'échec de la responsabilité, qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut trouver pour arriver à une solution juste, en tout cas, telle qu'on l'apercevait. Alors, elle n'est peut-être pas juste du côté des sociétés de vente par correspondance qui organisent des loteries publicitaires, mais elle est juste du côté de ceux qui souhaitent sanctionner ces pratiques un petit peu douteuses. Donc non, pas plus le régime général des obligations que d'autres pans du droit me paraissent... relever de cet univers abstrait, conceptuel, rigoureux, d'une logique implacable, froide, presque déductive, mathématique. Je pense que pas du tout. Donc je suis évidemment d'accord avec toutes tes conclusions, puisque le postulat de départ, je ne le rejoins pas. Et je ne le partage pas, et je ne le lis pas sous la plume de civiliste. Et je ne le lis pas non plus, enfin, et je ne l'entends pas dans les amphithéâtres. Enfin, un enseignant qui dirait « le droit c'est ça et c'est pas autre chose », et qui repartent en première année sur les bancs de l'université. Mais j'ai l'impression que tu caricatures pour asseoir une position qui est évidente. En fait, pour moi, c'est un truisme. Que le droit se nourrisse des idées et en même temps ait une interaction avec le monde social, c'est évident. Et le bon droit ne peut être que nourri de tout ça, parce que le droit est une fiction, donc il faut bien qu'on essaie de trouver une logique interne, donc on crée des systèmes, c'est vrai, mais ces systèmes ne tiennent, et c'est bien ce qu'écrit Christian Attias, ils ne tiennent que si les solutions concrètes auxquelles ces logiques abstraites aboutissent sont bonnes, sont justes,
Voilà. L'objectif, c'est bien la justice sociale. Et on n'enseigne pas le droit romain en étudiant, par exemple, le régime des obligations pour asseoir, comme tu l'as dit, la légitimité d'une solution. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'enseigne le droit romain pour dire voilà, voilà d'où ça vient maintenant. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Tout le regard du jury, c'est de se poser la question, est-ce que la règle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Mais elle n'est pas bonne par rapport à une théorie. Elle est bonne par rapport à un effet social, par rapport à un contexte. Donc pour moi, le postulat est caricatural. Ça me fait un petit peu penser à la critique de Jappiot sur la théorie des nullités. Pour critiquer ce qu'il a caricaturé comme étant la théorie classique des nullités, alors qu'il n'y avait aucune théorie, elle n'était pas plus classique que ça à l'époque, il en a fait une théorie classique qu'il a caricaturée pour mieux ensuite la critiquer et asseoir ses positions. Et ses positions qui d'ailleurs étaient extrêmement nuancées puisqu'il proposait pas moins de 9 catégories de nullité et l'histoire n'aura finalement retenu que nullité absolue, nullité relative. Donc l'histoire elle-même a caricaturé la thèse de Jappiot, ce que l'on retrouve aujourd'hui dans les manuels. Mais dans les bons manuels, on se pose aussi la question, est-ce que la distinction nullité relative, nullité absolue est bonne? Est-ce qu'elle ne mérite pas d'être dépassée? Et effectivement, il n'y a pas un manuel de droit des obligations qui ne se pose pas cette question. Alors peut-être les Memento qui ne se posent aucune question, mais là, c'est pas de la doctrine. Là, c'est juste de l'enseignement basique, niveau collège. Donc voilà, voilà mes premières... réflexions. Ensuite, sur la cession de dette, je trouve que toi-même, tu critiques la cession de dette en disant que pour l'instant, on ne trouve pas d'application jurisprudentielle. Effectivement, mais est-ce que tu connais beaucoup d'applications jurisprudentielles de la réforme de 2016? Je suis désolé, l'argument, pour moi, il tombe un peu à plat. Moi, dans les dossiers pratiques, j'ai utilisé la cession de dette. Ça m'est arrivé. Alors pour l'instant, je ne suis pas encore devant la Cour de cassation. C'est vrai, c'est trop tôt. Mais je l'ai utilisé, donc j'en ai trouvé un intérêt pratique que je ne soupçonnais pas au départ, c'est vrai. Mais donc, ce n'est pas inintéressant. Et ce que tu dis, alors au-delà de l'argument temporel, si tu veux, mais ce que tu dis sur la cession de dette, c'est qu'au fond, non, la cession de dette, elle ne peut pas être cédée parce qu'elle n'est pas une valeur. Il m'a semblé comprendre ça. Mais toi-même, tu t'appuies sur une théorie. Donc toi-même, tu cèdes à cette approche théorique en disant on ne peut céder qu'une valeur. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas céder une charge? Il y a bien des cessions de biens à valeur négative. Il y a un article de David Schilstein il y a quelques années, les biens à valeur négative. Un terrain pollué qui va coûter plus cher qu'il ne rapporte, il est bien l'objet d'une vente. C'est pourtant une cession de dette, quelque part. Alors, pas d'une dette au sens droit des obligations, mais imaginez la cession d'un bien qui coûte plus qu'il ne rapporte, déjà, c'est quelque chose de... Et pourtant, la pratique le fait. Un terrain pollué par des hydrocarbures, j'ai pas envie de l'acheter. Donc je trouve que toi-même, tu t'exposes à la critique d'une espèce de logique déductive, d'une logique basée sur des postulats de départ. Non, et je crois qu'il faut avoir une logique beaucoup plus pragmatique et ce que disait Christian Attias, que tu cites et que j'adore également, enfin que j'adorais, mais j'adore ses écrits, ce que disait Christian Attias, c'est qu'un juriste, un bon juriste, est quelqu'un qui se pose la question « pourquoi ?» au moins une fois de plus que n'importe qui. Pourquoi? Pourquoi cette règle? Pourquoi cette solution? Pourquoi ça? Et en remontant la chaîne des pourquoi, on arrive à un moment donné où effectivement on ne peut pas aller plus loin. Mais pourquoi? C'est aussi la question, est-ce que c'est juste? Est-ce que la solution est bonne? Et pas seulement, est-ce qu'elle est conforme à une conception abstraite, théorique du droit? En plus, la théorie, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas une théorie des obligations. Il y a autant de théories qu'il y a d'auteurs à écrire dessus. Puisque la théorie est un regard doctrinal sur du droit. C'est ça, la théorie. Donc, dès lors que tu prends ta plume pour écrire, tu exprimes une théorie, tu exprimes un regard. À partir de cette conception théorique, tu peux chercher, c'est vrai, à orienter le droit, à orienter les solutions de demain, à orienter le législateur. Ça, c'est passionnant. Mais derrière ces logiques déductives, il y a avant tout, concrètement, est-ce que les solutions que je propose issues de cette logique déductive sont justes et sont utiles au corps social ?
Autrement dit, est-ce que la société aura un intérêt à s'en servir? Est-ce que cet intérêt ne sera pas détourné? Est-ce qu'il y a des effets pervers? Et moi, je trouve qu'on enseigne ça à nos étudiants dès la première année. Dans le commentaire d'arrêt, on a toujours les arguments pour, les arguments contre, les arguments juridiques, qui sont un peu, en première année, arguments a fortiori, arguments a contrario, etc., etc. Bon, ça, c'est de la logique formelle qui n'a absolument aucun intérêt, si ce n'est à forger un petit peu l'esprit déductif du juriste. Mais derrière ça, on a surtout les arguments sociologiques, les arguments philosophiques, les arguments politiques. Et c'est vrai que le droit, et sur ça je rejoins encore une fois Christian Appias, le droit c'est avant tout un choix de politique, un choix de politique doctrinale, un choix de politique jurisprudentielle, un choix de politique législative. C'est de la politique le droit. Et si on fait du droit dénué de politique, pour moi ce n'est pas du droit, c'est de la réflexion abstraite, alors effectivement, mais qui ne présente à mes yeux aucun intérêt et qui n'a aucune valeur. Parce que la règle de droit n'a de la valeur que parce qu'elle produit des bonnes solutions. C'est mon regard sur le droit. Mais c'est mon regard, et je trouve que c'est le regard quand même de beaucoup de civilistes. C'est là où ton point de départ me paraît vraiment caricatural, forcé, pour arriver finalement à des conclusions que je partage, mais qu'à mon avis, 95% des civilistes partagent aussi. Après, bon. J'ai plein de choses encore. Oui, je vais répondre déjà à ces remarques. Il y a plusieurs points. Le premier point, c'est le raisonnement abstrait et logique et le fait, finalement, pour toi, ce ne serait pas du tout l'approche des civilistes. Effectivement, les civilistes, et c'est le côté un peu contradictoire, sont très orientés vers l'influence du droit positif, sur le fait de transformer le droit positif, et donc ils sont très orientés vers leur pratique. On cherche à tout prix une résonance. Mais en fait, il y a cette espèce de contradiction qu'on note entre cette volonté d'influencer, de transformer la réalité, et donc de s'ancrer profondément dans la pratique, et les raisonnements et les théories qui sont abstraites. Alors tu dis, les théories, c'est du vent, c'est rien, mais les théories, elles existent, et les théories, on les enseigne à nos étudiants. Et quand on enseigne le régime des obligations, on a quand même une partie des étudiants qui nous regardent avec des gros yeux en comprenant pas ce qu'on veut dire parce que on part de métaphores abstraites, considérer par exemple que l'obligation serait un bien ou un lien et en déduire des conséquences juridiques, c'est abstrait. Après, je suis entièrement d'accord avec toi, tu parles de la condition, tu parles de plein d'exemples. Bien évidemment qu'il y a une résonance dans la réalité, sinon on discuterait par l'abstrait, sinon ce qu'on ferait dans nos cours et ce qu'on ferait dans la pratique, ce serait complètement du vent. Et dans la pratique, on n'est pas dans le monde des idées. Simplement, et c'est là où je pense que finalement, tu es quand même positiviste, c'est qu'on n'a pas le même langage, en fait. Personnellement, mon approche, c'est d'adopter un point de vue externe sur le droit, mais comme on parle du même objet, on n'est pas forcément d'accord parce qu'on n'a pas le même point de vue. Il y a une logique qui tend à, justement, être dans le droit positif, dans la pratique, qui est celle des positivistes et de transformer ce droit positif, et puis il y a la logique qui est celle des sciences sociales de se placer en retrait et de décrire l'objet. Alors comme on parle de la même chose, effectivement, on peut dire qu'il y a un truisme et qu'il n'y a pas de révolution dans ce que je dis. En fait, l'idée de mon intervention, c'était de prendre de la hauteur pour réfléchir à ce qu'on fait. Tu as dit à un moment, finalement, ce que j'ai expliqué, personne n'en doutait. Alors effectivement, je pense que personne n'en doutait. Simplement, peut-être que quand je l'ai expliqué, on s'est dit « Ah oui, c'est pas faux ». Et finalement, ça me permet peut-être de réfléchir avec recul. Par exemple, je pense notamment aux droits influencés par le monde social. C'est sûr que personne n'en doutait, mais dans le régime des obligations, si on ouvre un manuel de régime des obligations, personne nous fait une analyse de l'émergence de la discipline, justement sous l'influence du libéralisme économique et politique. Aucun. Certes, on part d'un postulat de départ que la matière a évolué, et souvent on se base sur des concepts, et on va étudier directement les règles. Pour ce qui est du monde des idées, quand on le dit, c'est évident, effectivement, le droit, il est façonné par les constructions qu'on élabore à son propos. Simplement, en tous les cas, pour moi, de découvrir d'ailleurs cet effet boucle, ça a été grâce à Renaud Baumer, avec qui on travaille sur la doctrine, qui
m'a fait comprendre quelque chose que je voyais mais que j'arrivais pas à expliquer. On est influencé par ça, et le problème, en fait, je dirais, de la logique juridique, c'est de ne pas s'interroger, c'est pas de pas prendre ce recul sociologique et épistémologique. Peut-être que je dis des évidences, mais peut-être que c'est des évidences qui méritent d'être dites, parce que justement parfois ce qui est truisme n'est pas le plus simple en fait à saisir. Ensuite, sur un deuxième point, la cession de dette et son intérêt pratique, là encore, tout est question de point de vue, tout est question de langage. En réalité, effectivement, on peut, un débiteur peut très bien s'engager à payer la dette d'un autre. Donc on peut dire qu'on retrouve de la cession de dette en pratique. Simplement, est-ce qu'on peut parler de cession quand une personne s'engage à payer la dette d'un autre ? Est-ce qu'on peut parler de cession ? Est-ce que deux débiteurs peuvent abstraitement décider, sans accord du créancier, de transmettre une dette ? C'est impossible, parce que le deuxième débiteur, celui qui reprend la dette, n'a pas la même solvabilité que le premier. Le créancier l'accepterait jamais. Donc c'est forcément une opération à trois personnes, on a forcément trois intervenants, et opération à trois personnes ne dit pas cession. En tous les cas, bon après c'est une question de concept, et puis sur les biens à valeur sur les biens à valeur négative, je connais bien cet article pour avoir beaucoup travaillé dessus. C'est un article qui est effectivement assez intéressant, en ce qui démontre que dans le monde juridique peuvent émerger des biens donc à valeur négative. On pourrait finalement s'appauvrir, mais là encore pour ce qui concerne de la dette, il faudra toujours l'accord du créancier, en tout cas à mon sens. Et puis le dernier point sur que j'ai retenu en tous les cas sur la théorie, il n'existe pas une théorie, mais des théories. Donc on n'a pas une théorie qui viendrait façonner le droit positif. En réalité, je suis d'accord qu'on a plusieurs conceptions. Mais on note quand même, et particulièrement en droit privé, il y a eu une thèse très intéressante sur ce constat, sur le dogme de la solution unique. C'est une thèse de Michel Boudot qui est privatiste et qui montre comment on a une tendance à vouloir unifier les théories. Pourquoi ? Tout simplement parce que le droit, comme il se base sur ces théories, eh bien, on a besoin de sécurité juridique, on a besoin de solutions uniques. Et finalement, même si on a des divergences de courants au sein des théories, on a quand même des mouvements majeurs, et on observe dans ces théories, et dans par exemple la théorie des obligations, on ouvre un manuel de droit des obligations, on passe de l'un à l'autre, c'est globalement la même chose, c'est toujours présenté pareil, plus ou moins. On a éventuellement des petites approches différentes, mais globalement, sur la manière dont on théorise l'obligation, c'est toujours pareil. Voilà, donc, et je pense que, qu'effectivement, ces théories uniques, c'est aussi pour ça qu'on peut très facilement façonner le droit positif, c'est parce qu'on parle d'une seule voix, même si on a des divergences. Oui, on a un fond commun, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Il y a un fond commun entre tous les ouvrages de droit des obligations, comme il y a un fond commun, j'imagine, entre tous les ouvrages de droit constitutionnel. Il y a un fond commun. On ne va pas enseigner des choses radicalement différentes, avoir des présentations radicalement différentes. On va avoir des nuances, bien sûr. Mais le droit se nourrit de la diversité des points de vue, je trouve. Alors, effectivement, quand on arrive après, par souci d'économie de pensée, d'économie de raisonnement et de sécurité juridique, comme tu l'as dit, à des solutions plus ou moins uniques, c'est un travers contre lequel il faut sans doute lutter. Je suis d'accord. Le droit est tout sauf un catalogue de prêt-à-penser. C'est tout sauf ça. Le droit, c'est au contraire une ouverture sur d'autres solutions. Moi, parmi les grands civilistes du XXe siècle, j'adore, et les étudiants le savent, j'adore Plagnol. Plagnol a tout combattu, il a tout contesté. Alors, il n'a jamais gagné. Mais au moins, il a obligé ses congénères, je vais utiliser une expression militaire, c'est pas bon. Mais il les a obligés à se surpasser, à surpasser la théorie de la cause, à se surpasser pour affirmer l'abus de droit, etc. etc. Donc, ça, c'est de la vraie réflexion. Alors, qu'il ne soit pas entendu, c'est une chose, mais lui a fait progresser la réflexion. Et je pense que le sens critique, voilà ce qu'il faut enseigner à l'université, et voilà ce qu'il faut écrire quand on écrit. C'est le sens critique. Mais en même temps, moi, dans les auteurs que je lis, je ne vois que ça, du sens critique. Et le sens critique s'appuie à la fois sur des approches abstraites, sur des théories,
qui parfois n'aboutissent pas à de bons résultats. Donc la théorie doit être corrigée. Voilà. Mais ensuite, on a une logique continentale qui n'est pas celle du droit anglo-saxon. Et on le voit bien pour ceux qui ont un pied à Maurice, à l'île Maurice, on voit bien que le droit français part d'une logique, effectivement, on part d'un texte et on a une logique descendante, déductive, c'est vrai. Et on essaie de construire à partir de là un système de pensée avec une logique déductive. Mais cette logique déductive, elle n'a rien de figé, elle n'a rien d'automatique, rien d'objectif, contrairement, encore une fois, je pense à la caricature que tu lui donnes. Il suffit de voir le droit de la responsabilité civile qui, en 2 siècles, a profondément évolué. Là, j'enfonce vraiment une porte ouverte. Alors que les textes n'ont pas changé, mais le droit a évolué. Pourquoi ? Bah parce que le droit, c'est du droit vivant. Le droit figé, le droit théorique, le droit, c'est du droit mort. Et ça, c'est pas du droit, parce que le droit est en interaction, oui, avec son milieu social, avec les auteurs qui écrivent dessus, qui se posent des questions, qui essaient de le faire évoluer. C'est les accidents de la fin du 19e siècle qui ont conduit à dépasser la théorie de la faute dans le droit de la responsabilité civile, à suggérer des théories du risque, risque créé, risque subi, enfin, etc. Bon, risque profit, pardon, etc. Des théories desquelles on va déduire des solutions qui paraissent justes. Mais on essaie de trouver, c'est vrai, une base théorique à des solutions qui paraissent justes. Et c'est ça qui est. Alors, c'est la boucle, oui, je suis d'accord, mais encore une fois, c'est tellement évident que. Mais c'est. C'est comme ça que le droit se construit. Il ne se construit pas à partir d'un texte duquel on va déduire mécaniquement des solutions implacables, qu'elles soient justes, qu'elles ne soient pas justes. C'est comme ça. Ça, c'est Kelsen, ça. Ça, c'est Kelsen qui se fiche du contenu. Il veut juste que la norme soit conforme aux modalités d'édiction de cette norme fixée par la norme supérieure. Et ça, pour moi, effectivement, et Attias critique cette approche, je rejoins tout à fait. Mais ce ne sont pas tellement les civilistes qui sont sensibles à cette approche formelle, déductive et abstraite, donc détachée du réel. Je trouve que ce sont d'autres matières et d'autres auteurs. Enfin, c'est mon point de vue. Je ne dis pas qu'ils y sont sensibles, en tous les cas. En fait, je dirais qu'ils ne s'interrogent pas sur leur manière de penser et d'élaborer le droit. Et en fait, c'était le but de cette conférence, c'était de dire, certes, on peut élaborer des normes, on peut construire des règles, mais on peut aussi avoir un autre regard. On a la doctrine juridique, mais on a aussi la science juridique. On a deux courants, en fait, de pensée, deux courants, deux manières de penser le droit. Le courant, on influence le droit, on influence la norme, on raisonne dans la pratique. Et le courant, on interroge la réflexion. Et là, on ancre véritablement le droit parmi les sciences sociales. Et le droit, finalement, il est très peu pensé comme ça. J'avais transmis au doctorant un article intéressant de Jacques Chevalier sur doctrine juridique et sciences juridiques, où il explique comment dans les facultés de droit, on perd ce regard, certes descriptif, certes qui part d'objets qui sont connus, et peut-être qui a vocation à enfoncer parfois des portes ouvertes ou à dire des truismes, mais qui permet de se décaler un petit peu quand même pour interroger les manières dont on a, enfin les manières, nos raisonnements. Et de se poser des questions sur nos manières de raisonner. Et ce qui me semblait intéressant, en mettant en parallèle la cession de créance et la cession de dette, c'est qu'on a des mécanismes, et en fait la plupart du droit émerge de la réalité sociale. Effectivement, on n'est pas complètement déconnecté, simplement à force de ne pas s'interroger, à force d'être dans une logique doctrinale, on en vient à consacrer des idées, cession de dette, qui justement sont totalement déconnectées. Alors, on a certainement peu d'exemples. Là, c'est la caricature de la caricature, la cession de dette. Mais ces exemples existent et finalement, si on ne se pose pas de questions, qu'on raisonne en juriste, il y a un ouvrage qui est sorti l'année dernière, Raisonner en juriste, eh bien, c'est véritablement une logique positiviste qui conduit à ne pas s'interroger sur ce qu'on fait. Alors, je ne suis pas sûr qu'on mette les mêmes notions derrière le positivisme. Pour moi, le positivisme, c'est effectivement un discours qui va décrire l'état du droit positif. Voilà. Mais celui qui va chercher à se poser des questions, est-ce que la solution est bonne, n'est pas bonne, et comment l'améliorer, c'est pas un positiviste, c'est pas un pur positiviste. Le positiviste, moi je connais par exemple très bien Bernard Tessier, qui était un pur positiviste, un excellent juriste, qui maîtrise tout, mais dans ses enseignements, il n'y a pas d'idées personnelles. Il y en a très peu. Dans ses écrits, il y en a très peu. Il décrit très bien l'état du droit, mais il suggère assez peu des changements. Il est très conservateur et très descriptif
du droit. Ça, pour moi, c'est le positivisme. Et ça, effectivement, c'est, pour moi, c'est une des facettes, mais ça n'est pas la seule, et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Alors, je ne sais pas comment on appelle ceux qui s'interrogent sur comment améliorer, mais toi, tu y vois les positivistes. Bon, dans ce cas-là, moi, je me range dans les positivistes, parce que je ne peux pas aborder une règle sans me poser la question, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne, et ensuite donner mon avis. Donc, tout le monde se fout éperdument, je suis d'accord, bien sûr. Mais au moins, j'ai un regard, et je me force à avoir un avis personnel. Je me souviens, je l'ai dit à certains d'entre vous sur les formations de chargés de TD. Quand j'ai commencé à faire des TD, c'était en droit des contrats spéciaux, mais bon, peu importe. Et je m'efforçais systématiquement sur chaque séance de TD à proposer une idée personnelle que les auteurs n'avaient pas. Je me disais, je n'irai pas en TD tant que je n'ai pas une idée personnelle à proposer aux étudiants, pour leur montrer que tout l'alpha et l'oméga n'est pas contenu dans les ouvrages, dans les commentaires d'arrêt qu'ils peuvent lire, et que le droit n'est que force de proposition, c'est ça, et regard critique. Voilà. Et c'est pas parce que Mallory et Ness écrivent la solution A que c'est cette solution A qui doit s'imposer, au contraire, le regard critique, l'esprit critique, c'est ça. Et ça, pour moi, c'est pas du pur positivisme, ou alors on n'a pas effectivement la même définition. C'est compliqué de définir le positivisme. Oui, je sais bien, je sais bien. Michel Tropper a écrit à ce propos, justement, montrant les multiples définitions. Comme je comprends bien quand je lis Michel Tropper. Les multiples définitions du positivisme, c'est... J'avoue. C'est compliqué de... Effectivement, on peut l'entendre de plusieurs points de vue, mais le point de vue que tu proposes, enfin, tu considères en parlant notamment de Bernard Tessier, en fait, c'est finalement le point de vue de Kelsen. C'est celui de se mettre en regard extérieur et de décrire. C'est la vocation de Kelsen d'être neutre, la fameuse neutralité axiologique, pour ne pas influencer ni proposer sur les objets. Mais pour moi, ça, j'y vois pas forcément du positivisme, je dirais à l'inverse, plutôt de la science juridique. Mais c'est un problème peut-être de définition. Non, la différence, c'est que le positiviste va décrire le droit positif tel qu'il est. Kelsen décrit juste un mécanisme d'édiction des normes, enfin en tout cas là-dedans, indépendant du contenu du droit. C'est la différence. Un positiviste décrit le contenu du droit, les solutions, qu'il peut après juger bonnes ou mauvaises. Je caricature aussi Bernard Tessier quand je dis que... Mais c'est lui-même qui me dit, vous savez, moi je suis avant tout un positiviste. Un positiviste, voilà, j'ai pas... il est à l'opposé, si on parle d'un autre civiliste, de Thierry Revet. Thierry Revet, quand on le lit, il a une doctrine, une pensée qui transcende tout le droit civil. Son regard sur le droit civil est un regard personnel, du droit des personnes au droit des obligations, au droit des biens, c'est un regard qui lui est personnel et que personne d'autre n'a, parce que c'est une vraie pensée, alors qui est tout à mon avis sauf positiviste, mais pour autant c'est pas du Tropper ou c'est pas... Enfin, il s'interroge sur, voilà, est-ce que ma pensée, ma vision, qui à la base est une pensée un petit peu abstraite, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle a des répercussions concrètes qui sont bonnes ou qui ne sont pas bonnes? Et ça, il s'interroge tout le temps, tout le temps. Et je pense que ne pas s'interroger, c'est être un mauvais juriste, tout simplement. Ou ne pas penser comme les juristes. Parce que personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas de réfléchir au fait de savoir si une norme est bonne et fonctionne. Pardon ? Et pourtant, je suis juriste. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on élabore ces normes et comment on les pense et comment elles sont façonnées. Et ça, c'est une toute autre logique. C'est la logique de la science du droit. Et on peut être juriste et penser autrement qu'en cherchant finalement, en cherchant à savoir si les solutions sont bonnes. Mais ce n'est pas la plupart des juristes qui pensent comme ça, effectivement. On peut peut-être ouvrir la discussion. Oui, s'interroger sur est-ce que la norme, la règle est bonne, est mauvaise, juste, etc., c'est nécessairement, ça implique des schémas de pensée. Donc aussi le monde des idées. Ce qui est juste, c'est juste pour toi. Tu vois, dans ton schéma de pensée, ça implique un certain nombre incroyable de paramètres d'ailleurs. Ça peut être à la fois ta formation, même ton éducation, ton milieu professionnel, etc. Ce qui est bon, ce qui est juste, ça reste quand même aussi le monde des idées aussi, qui vient se plaquer en quelque sorte aussi sur le réel. Oui, bien sûr, mais de toute façon, encore une fois, ce sont des choix. Le libéralisme.
Bon, mais ce sont des choix de politique juridique, mais des choix. Oui. Des choix, mais des choix qui sont argumentés. Une solution, elle ne tient pas parce que la règle procède d'une règle supérieure qui aurait habilité une autorité à légiférer. Pour moi, la règle, elle tient par la valeur de ses fondements et de sa portée. Voilà. Mais après, je pense profondément que chaque solution et chaque règle a des arguments pour, des arguments contre. Et on est, là pour le coup, l'image de la balance me paraît consubstantielle au droit et à la règle. Et, enfin oui, au droit, parce qu'il suffit d'avoir un argument supplémentaire à mettre dans la balance pour changer, et on observe les revirements de jurisprudence, mais qui reposent souvent sur des sensibilités des magistrats eux-mêmes. On a des revirements de jurisprudence de la Cour de cassation qui ne tiennent pas vraiment à des arguments différents, mais simplement parce que le président de la Chambre a changé et qu'il a une autre sensibilité. Donc ce sont des choix. Le législateur va adopter des lois, on le voit très bien sur le bail d'habitation. Depuis 30 ans, on a des courants très protecteurs, et puis après un courant un peu moins protecteur, et puis un courant super protecteur du locataire, etc. Donc voilà, ce sont des choix politiques, bien sûr. Mais c'est ce qui fait en même temps la richesse et tout l'intérêt du droit, c'est qu'il n'y a aucune solution déductive. Voilà. Ou alors si on imagine qu'elle existe, cette solution déductive, on ne voit que la moitié de la réalité du droit. Voilà. Alors, si je peux me permettre, bon, Pascal... C'est toi qui préside, donc... je rebondis sur ce que tu viens de dire. Cette logique déductive, pour ma spécialité de droit administratif, c'est une chose qui paraît assez martienne, dans la mesure où nous n'avons pas de texte dont on déduirait quelque chose. Donc nous, au contraire, on part d'un amas de cas pour en essayer d'en abstraire une règle. Pour autant, on a les mêmes débats qui se posent dans des termes différents, mais on a les mêmes débats sur conceptualisme, empirisme, quel est le rôle de la doctrine, etc. Et à vous écouter depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que finalement, notre conversation porte sur les fonctions que l'on assigne à la doctrine. Pour certaines, je crois que nous sommes tous d'accord à peu près dans cette salle, c'est-à-dire décrire et expliquer l'état du droit, bon, critiquer à cet état du droit, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, mais celle sur laquelle, à mon avis, il y a plus de dissensions, c'est la fonction prescriptive de la doctrine. Est-ce que c'est le rôle de la doctrine de prescrire au législateur, au juge, un choix qui est, je suis d'accord avec toi pour le coup, fondamentalement un choix politique. Et depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est ça qui se joue ici. Alors, sur cette fonction prescriptive, juste, je me sens obligée en tant que femme de Kelsenienne à rectifier une petite chose sur Kelsen et sa théorie pure du droit. Kelsen ne dit pas que le juriste ne doit pas critiquer, ne doit pas proposer des solutions. D'ailleurs, Kelsen a promu la solution du contrôle de constitutionnalité dans des écrits qui sont politiques. Kelsen, son dernier ouvrage, s'intitule « La démocratie, sa nature, sa valeur », qui est un ouvrage profondément politique. Mais la position de Kelsen consiste à dire que le juriste doit assumer sa fonction prescriptive et qu'il ne doit pas se retrancher simplement derrière sa position de savant, en disant « moi je sais mieux que vous, et donc toi législateur ou toi juge, je vais t'expliquer ce que tu veux faire ». Et fondamentalement, c'est sur cette question prescriptive que pour le coup, je serais moins d'accord avec toi, Pascal, parce que j'ai noté cette phrase. Je ne sais plus si c'était le civiliste ou le privatiste, tu as dit « le civiliste accueille un besoin social et cherche à le traduire ». Alors j'ai plein de contre-exemples. Non, mais c'est faux. Plein de contre-exemples de cas où le civiliste, le privatiste, et on peut dire le juriste de manière générale, n'accueille pas le besoin social et n'a pas forcément besoin de le traduire. Et c'est toute l'ambiguïté de la chose. Il peut le faire. Il peut le faire, mais c'est toute l'ambiguïté de la chose. Mais il fait le choix de le faire ou pas. De se placer comme celui qui sait. Je suis professeur de droit. Pour expliquer, je pense au Conseil constitutionnel et je pense à la loi sur le mariage entre personnes du même sexe, qu'il existerait un PFRLR selon lequel le mariage existerait entre hommes et femmes. Donc finalement, tout ça pour dire que le bon, le juste, la solution doit être bonne, la solution doit être juste. Oui, bien sûr, mais moi je ne suis pas toujours convaincue, d'une part de savoir ce qu'est le bon et le juste, et d'autre part que ce soit sous couvert de science
et je dis bien sous couvert de science, de présenter la vérité absolue, la justice, la bonté dans toute son éternité. Donc je crois que vraiment c'est sur cette fonction prescriptive qu'on doit peut-être assumer nos divergences et clarifier nos positions. Ça n'est pas parce que je suis professeur de droit que j'ai la vérité, j'aimerais bien, mais je ne crois pas. J'espère bien. Je ne l'ai pas davantage. Non, non, mais absolument pas. Absolument pas. Simplement, il faut mettre dans la balance et dans le pot commun le maximum d'arguments. Voilà. Je prétends pas... non, non, absolument pas. Et il ne faut évidemment pas accueillir tous les besoins sociaux. C'est un choix politique, mais politique argumenté. Voilà, d'accueillir ou de ne pas accueillir, de diriger dans un sens ou dans l'autre. Ce sont des choix de politique et qui dépendent effectivement de considérations très personnelles et que l'on essaie très souvent d'habiller par des arguments objectifs mais qui sont éminemment subjectifs, mais ça on en est tous convaincus. Et moi je ne suis absolument pas, j'ai absolument pas la prétention de mieux savoir parce que je suis prof de droit, certainement pas, bien sûr que non. Maintenant la réalité est là, c'est que nous sommes dans la société aujourd'hui les professeurs de droit parfois amenés à faire les lois, à suggérer des modifications jurisprudentielles, à suggérer des modifications de solutions juridiques. Et donc, c'est aussi notre rôle et notre responsabilité. Mais justement, le droit se construit dans la diversité. Et après, on verra si nos positions sont reçues, si elles ne sont pas reçues. Et je vais te dire sincèrement, moi, il m'est arrivé de défendre une position A et 10 ans plus tard, de défendre une position B parce que j'avais oublié que j'avais défendu la position A. Et que je trouve que 10 ans plus tard, ben, effectivement, il y a d'autres arguments qui me conduisent à penser différemment. Mais j'ai aucun problème avec ça. Aucun problème avec ça parce que tout n'est qu'argumentation. Tout n'est qu'argumentation et poids des arguments en présence à un certain moment. Voilà. Et après, des convictions, si on parle, alors tu évoquais le mariage pour tous, bon là, au-delà des arguments objectifs, il y a des sensibilités, là ça devient encore plus subjectif. Mais on s'éloigne du RGO, là, qui se veut un petit peu plus neutre, un petit peu plus objectif, c'est vrai. Mais après, derrière tout ça, c'est vrai qu'il y a des considérations plutôt libérales, plutôt solidaristes, qui vont évidemment orienter les choix. Mais c'est évident. Quand on lit Denis Mazot, on sait très bien que ces arguments ne sont pas imprégnés de libéralisme. Voilà. Si on lit Laurent Leveneur, je le dis tant que ça finit pas là, on sait très bien qu'il y a assez peu de solidarisme sous sa plume, ou à l'origine de sa plume. Voilà, mais après, à chacun de se faire son opinion. Et heureusement que chacun a une opinion différente. C'est ça qui fait la richesse du droit. C'est la liberté de penser et c'est l'esprit critique. Et après, bah, à nous, chacun, en notre âme et conscience, de proposer, si on est convaincu que cette solution devrait être changée ou pas. Et c'est comme ça bah, qu'effectivement, on a Laurent Hennès qui est à l'origine de la cession de contrat dans la réforme, que les opérations sur obligation, c'est la plume d'Hervé Saint-Vey. Voilà, et on trouve la plume d'universitaire derrière toute une série de réformes. On trouve la plume d'universitaire derrière parfois des codes entiers. Ça ne veut pas dire que c'est bon. Mais je pense à un code que je connais bien, le code des obligations et des contrats du Liban de 1932. C'est Louis Josserand qui l'a écrit de la première à la dernière ligne. C'est un code doctrinal. Ça ne veut pas dire que c'est bon. Mais lui se dit, voilà ma pensée. Vous m'avez demandé de vous faire un code. Voilà, c'est un bouquin de droit des obligations signé Louis Josserand que je transforme en loi, que je vous offre de devenir loi. Et en France, on a la même chose avec la réforme des successions, c'est Catala, droit de la famille, j'enfonce des portes ouvertes, là c'est Carbonnier, enfin bon voilà. Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, oui, bien sûr, mais n'empêche que ça relève aussi de notre fonction politique, parfois, d'être appelé à donner un avis et peut-être parfois de tenir la plume. On le voit bien dans la future réforme du droit des sûretés, du droit de la responsabilité civile. On a des forces créatrices doctrinales qui sont à l'œuvre avec des arguments contraires, bien sûr. Mais c'est ça qui est génial. Alors après, ce qui est moins génial, c'est de savoir comment les choix juridiques sont faits. Quand c'est le législateur, je ne suis effectivement pas toujours sûr que ce soit les meilleures personnes qui tranchent. Mais après, là, c'est autre chose. C'est un système politique. Quand c'est une juridiction, tendance à penser qu'il y a davantage de réflexion. Mais ça, c'est un avis très personnel. Puis ça dépend lesquels. Ça dépend dans quel cas. Mais c'est intéressant de voir
les forces créatrices à l'œuvre dans des réformes législatives, dans des revirements de jurisprudence. Quand on pense à l'émergence des droits réels de jouissance spéciale, par exemple, ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Alors que la doctrine civiliste, mais tu ne connais pas ça, Damien, tu ne dois pas connaître ça, non ? Mais alors, vraiment, n'arrête pas d'écrire là-dessus ces droits réels de jouissance spéciale qui jettent un dogme, un numerus clausus des droits réels enseigné à tort, sans doute, depuis deux siècles. Ça vient d'où ? Ça vient d'un projet de réforme, Duc Périnet Marquet, projet de réforme du droit des biens dans le Code civil. Voilà. Et c'est la transcription de ce projet de réforme sous l'égide de l'association Capitan. C'est génial de voir une association de juristes proposer une réforme du droit des biens qui n'est pas reprise par le législateur, mais dont un article est repris comme attendu principal dans un arrêt de la Cour de cassation. Un pavé dans la mare. Voilà. Et c'est génial. Et après, on voit ce que ça donne. Alors, pour l'instant, ça donne beaucoup d'interrogations et pas beaucoup d'affirmations. Mais et c'est ça qui est bien. Et on s'interroge. Est-ce qu'il faut que ce soit perpétuel, pas perpétuel ? Alors non, c'est pas perpétuel, mais en droit de la copro, ça peut l'être. Voilà ce que décide la Cour de cassation. Enfin, et ça se construit comme ça, mais avec des arguments concrets. Et là, c'est pas de la théorie. Alors, s'il y a de la théorie derrière, est-ce que le droit de propriété peut être divisé durablement ? Alors oui, et là, c'est là qu'on revient aux sources, on revient à l'ancien droit, à la division féodale du droit de propriété qui a produit des effets pervers. Donc l'histoire, on ne doit pas l'oublier, mais elle ne légitime pas le présent. Mais elle permet d'expliquer le présent et peut-être de ne pas oublier que les dérives du passé peuvent très bien se produire à l'avenir. Voilà l'intérêt pour moi de l'histoire du droit. C'est surtout ça. Enfin, il y a ces deux intérêts. Et donc, tout est une question d'argument. Si le contexte a changé, ben pourquoi pas ? Allez, changeons. Mais attention, n'oublions pas les effets pervers que l'histoire a pu nous faire vivre. Voilà. Donc c'est... Mais personne, évidemment, ne détient la vérité. Alors là, c'est certainement pas moi. Beaucoup d'humilité. De toute façon, l'humilité, c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est la qualité première d'un juriste. Parce que, justement, puisqu'il n'y a pas de bonne solution, quand je parle du juste, la recherche du juste, évidemment, c'est à mes yeux, et le juste n'existe pas. Alors ça, pour le coup, c'est un objectif inatteignable. Mais il n'y a pas de bonne solution, il n'y a que des solutions, c'est mon avis, moins mauvaises que d'autres. Voilà. Il n'y a pas de bonne solution, il n'y a que de moins mauvaises que d'autres. Et c'est là où on doit faire preuve d'humilité, c'est que même quand on propose quelque chose, on ne propose pas une bonne solution. On propose une solution qui, selon nous, selon moi, est moins mauvaise que les autres. Mais elle n'est pas à l'abri de la critique. Et il faut faire son autocritique nécessairement, je trouve. Bon, là, je vous parle. Peut-être la salle a-t-elle des questions, des remarques, des doléances ? La salle est assommée. La salle est assommée. Damien, je suis sûr que tu as plein de choses. Je suis super ravi d'apprendre en fait que le droit civil est éminemment politique. Bien sûr. Mais parce que tu viens pas en cours. Après, mon sentiment, c'est qu'il y a toute une partie de la discussion qui n'est pas cadrée du tout. Et je pense parce qu'il manque des instruments d'analyse qui nous aideraient à l'orienter. Je pense par exemple à la division qu'utilise Clotilde, qui lui est suggérée par l'épistémologue déjà entre objet inerte et objet interactif, ça laisse, moi en tout cas, ça me laisse très dubitatif. Je prenais l'exemple de la connaissance de l'univers, mais cette connaissance, elle est objectivée à travers tout un appareillage social. C'est-à-dire que pour Aristote, voilà, c'est cette sphère, la Terre qui est au centre, et l'objet me paraît tout à fait objectif, de la même façon que lui, on le conçoit tout à fait différemment. En dehors de l'ensemble des rapports sociaux qui ont permis de produire cet objet-là, et donc c'est quelque chose d'éminemment interactif, qui n'existe pas. Donc il y a toujours des dispositifs sociaux qui font le réel, on ne l'appréhende toujours qu'à travers la société, on n'a pas un rapport de communion, de fusion avec la nature qui ferait qu'on l'appréhendrait directement en dehors des dispositions qui sont prises par les agents sociaux. Un laboratoire, c'est un objet éminemment social. C'est un investissement, c'est une mémoire qui est entretenue, c'est tout
plein ensemble de travaux. Ça ne veut pas dire que ces travaux ne tiennent pas, qu'ils ne soient pas robustes, ce c'est le point de vue de ce qu'ils produisent, que les contestés ne va pas, soit ils ne sont pas contestables dans l'état des savoirs, soit les contestés n'engagent pas dans des impasses. C'est autre chose. C'est pas parce que c'est une construction sociale que c'est pas quelque chose qui tient. Et de la même façon, il me semble que toute la discussion sur le juste, elle est, telle que vous la menez, elle est extraordinairement abstraite. Donc, effectivement, le juste est l'objet d'un débat. Ça, le premier à l'avoir vu, il me semble, dans la sphère occidentale, c'est Protagoras. Et ça met Platon en furie. Oui, effectivement, tant que l'opinion dit que c'est juste, on reconnaîtra que c'est juste. Quand l'opinion considère que ce n'est plus juste, que la majorité des citoyens athéniens adopte une autre définition du juste, c'est cette autre définition qui s'imposera, puisque c'est elle qui remettra les décisions de l'agora et des différentes instances qui gouvernent la cité athénienne. Et ce qui semble très important dans cette affaire, c'est que si c'est une question d'opinion, c'est d'abord un objet de débat. J'y insiste avec justice, là, pour le coup, il me semble, que c'est un débat qui est peut-être sans cesse repris, mais qui est toujours argumenté. Donc ce n'est pas quelque chose d'arbitraire ni d'abstrait. C'est-à-dire que c'est le reflet, en effet, d'une certaine forme d'état des rapports sociaux, parce que la manière dont les aristocrates athéniens considéraient la justice n'était pas forcément celle du démos. On a un exemple célèbre à travers la distinction entre égalité géométrique et égalité arithmétique, parce qu'on établit un rapport proportionnel à la participation au pouvoir en fonction de la fortune et du prestige. Ou est-ce que c'est seulement la loi du nombre qui l'emporte? Et là, ça définit deux régimes politiques complètement différents, deux régimes de justice complètement différents. Donc là, il y a effectivement un rapport social, mais il y a toujours derrière un travail d'argumentation qui les rend pensables et qui leur donne une consistance et une justesse propre. Là, j'ai l'impression que tout ce travail d'argumentation, la manière dont les produits, les agents sociaux qui le portent, les institutions qui vont lui permettre de consolider, vous avez tendance à le passer un peu au travers. C'est-à-dire que notre préoccupation à nous, politistes, et celle des sociologues en général, ça va être au contraire de montrer comment le droit n'est pas quelque chose d'arbitraire, mais est le reflet d'un certain état des savoirs, d'un certain nombre d'équilibres sociaux et d'un certain état peut-être des rapports de force, mais qui définit et qui modèle tout un univers. Et que s'il y a un panel de choix possibles, ce panel est forcément limité parce qu'une société, une civilisation ne peut pas penser les alternatives autrement. Le fameux départ entre Kelsen et puis son nom m'échappe, puisqu'il me semble que l'une des préoccupations de Kelsen, c'est à la sortie du nazisme, de repenser le droit, repenser le rôle des juristes dans la société pour éviter aussi, si c'est possible, le retour à l'expérience qui avait été celle d'un même prise de pouvoir légal par les nazis. Il me semble que c'est aussi une de ses préoccupations fondamentales. Je ne suis pas spécialiste de Kelsen, mais je crois que cette préoccupation, elle existait avant. Elle se renforce effectivement après la guerre, mais c'est une préoccupation qui existait avant, précisément sur la promotion du contrôle de constitutionnalité, qui est une promotion purement politique, puisque c'est une manière de contrer la représentation nationale qui, à cette époque, est profondément conservatrice et réactionnaire. En fait, c'est un contre-pouvoir qu'il entend mettre en place par ce contrôle de constitutionnalité. Mais pour plus précisément, il faudrait Renaud, en fait, pour tout comprendre. Pour conclure, je ne doute pas de ta créativité de juriste, mais celle de la créativité des juristes dans leur ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous élaborez des solutions par rapport à des problèmes qui vous sont soumis ou que vous saisissez vous-même, qu'il y ait un travail d'invention conceptuelle, c'est propre du juriste, comme c'est propre du philosophe dans sa démarche, ou celle du sociologue, quand il est confronté à ces terrains. Mais cette inventivité conceptuelle, elle s'inscrit dans un espace social qui l'oriente, qui la contraint et qui la rend possible. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas inventer certains concepts.
faut attendre. Enfin, on a les concepts de son époque et de sa société. Donc, tes choix sont les tiens, mais ils sont d'abord des choix sociaux qui reflètent ton époque, ton inscription sociale, le fait que tu sois un grand bourgeois, ça je le vois par exemple, des choses qui correspondent beaucoup plus aux bourgeois. J'aime les deux. Y a-t-il une dernière remarque peut-être avant de remercier à nouveau nos intervenants? Ce qui se pose la question, c'est Karl Malbert. Karl Malbert, c'est positif. Kelsen n'est pas positif. C'est Karl Malbert le positif dans le droit public. Je pense que ce sera l'objet d'une prochaine conférence au premier semestre prochain et l'intervenant est tout trompé. Ça existe le positivisme. Bah, c'est ça, oui. Tout dépend ce qu'on fait. C'est pas une règle qu'on ne recrée pas. Sur la science, je suis d'accord avec toi et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui on n'est plus dans la science exacte. Hein. C'est pas la science exacte aujourd'hui. Dès lors qu'on est dans la tout à fait. Plus complexe. Dans les possibles et donc dans des schémas de pensée qui sont très différents d'un scientifique à l'autre. Donc on n'est plus dans l'être et le devoir être, mais dans une nature qui pourrait être. C'est vrai que moi aussi ça m'a un peu gêné cette distinction. J'ai retrouvé d'ailleurs la distinction kelsenienne ou autre être, devoir être, ça, Et je trouve qu'elle ne tient pas toujours très bien. En fait, les théories, quand j'ai pris cet exemple des objets interactifs, objets indifférents, c'est de dire que l'objet qu'on étudie, par exemple en physique, c'est un objet qui ne va pas bouger. Tous les discours bougent. Dans toutes les sciences, les discours bougent. Mais le droit, en fait, lui, c'est lui l'objet, et lui, il bouge avec les discours. Alors que dans les sciences qu'on appelle dures, les objets qu'on étudie ne bougent pas. Mais tout ce qui l'entoure, tous les discours bougent. En fait, ce n'était pas de dire que les discours n'évoluent pas. C'est juste que l'objet étudié n'est pas influencé, n'est pas transformé. Les théories sont transformées et évoluent. Exactement. Quel que soit le discours scientifique que tu tiens sur la pomme qui tombe, elle continuera à tomber. Le discours du droit a une incidence sur le droit. Voilà, c'est exactement ça. Mais je me suis peut-être mal exprimée. C'était de dire que l'objet étudié est transformé ou n'est pas transformé par le discours. Est-ce que tu peux distinguer l'objet de la manière dont tu l'appréhendes? Ouais, certes, tu vois la. En droit, non. En rubrique à bras, tu vois très bien que tant que Newton ne passe pas sous le pommier et qu'il n'a pas cette idée parce qu'il a cette préoccupation particulière, tout le monde se fout que les pommes tombent. Oui, mais la pomme continue de tomber. Cette chose-là, sont les pommes tombées. On ne voilà, se pas dans la mesure où ça permet de les ramasser, mais est-ce qu'on le voit du point de vue d'un phénomène physique? Il y a une chose que je trouve qui est très intéressante chez Deleuze, c'est quand il fait sa leçon sur Spinoza. Et qu'il la commence par qu'est-ce qu'un corps? Et d'un seul coup, l'idée qu'on va déplacer le regard qui avait été celui de la métaphysique occidentale, l'invisible guide le visible, à cette idée tout à fait nouvelle, c'est qu'on va regarder ce qu'on voit, c'est-à-dire le visible, qu'est-ce qu'il est. Et au fond, tout l'invisible disparaît. Il faut rendre compte du corps lui-même, donc des corps. Et c'est à partir de là qu'on va s'élaborer en fait toute la science moderne. Donc là, on revoit, on redécouvre des choses qui sont, qu'on a sous le nez depuis toujours, mais on les aborde sans chercher ce qu'il y a en elles d'invisible, au contraire, ce qu'elles expriment par elles-mêmes. Et du coup, on peut avoir ces élaborations, ça a commencé dans le domaine de l'astronomie, mais on peut avoir ces élaborations qui mènera au newtonisme. Bien, il me semble que Newton est une bonne manière de conclure cette conférence. Je remercie à nouveau très très chaleureusement et vivement Clotilde et Pascal pour avoir accepté d'intervenir et de nous donner leur vision de ce qu'est un juriste, ce que doit faire un juriste, à supposer qu'il doit faire quelque chose. Je vous remercie à tous de votre présence. Merci beaucoup.